Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle saison de Blood Bowl qui s'annonce légendaire. C'est une saison d'exception qui se prépare. De nombreuses nouvelles équipes de toutes races et de tous horizons débarquent actuellement des quatre coins du vieux monde pour participer à cette prestigieuse compétition. J'ai entendu dire que les organisateurs s'étaient arrangés avec certaines équipes qui ont eu la noblesse de mettre leur plus beau stade à disposition. Regardez, même les morts vivants ont nettoyé leur plus belle crypte pour l'occasion. Ah, ces nouveaux stades ne sont certainement pas trop pour accueillir toutes ces nouvelles équipes. Il en vient des quatre coins du monde, des froides contrées nordiques, aux déserts les plus arides. Même les morts sont au rendez-vous. Pensons également à prévoir quelques fleurs. J'ai cru comprendre que des demoiselles se sont inscrites. Ne vous fiez pas aux apparences, ce sont de vraies furies. Même les amateurs de beaux jeux ne sont pas en reste. Mercenaires ou hauts dignitaires, des elfes de tous bords sont également de la partie. Voilà qui nous assure un spectacle exceptionnel. Vivants ou morts, hommes ou femmes, valets ou minus, ils n'ont qu'à bien se tenir, car c'est l'heure du Blood Bowl. Ouais, donc alors voilà, bah sorti un peu de FIFA, et un petit peu de Minecraft aussi. J'ai eu envie de me détendre sur un jeu que j'aime bien parce que je l'ai découvert sur plateau, c'est Blood Bowl. Alors j'ai l'édition légendaire avec toutes les belles équipes qui vont bien. Donc bah, pour ceux qui connaissent pas le jeu, bah, j'espère qu'ils feront une belle découverte. Et puis pour ceux qui connaissent le jeu, bah, j'espère qu'ils vont apprécier les petites vidéos. Donc je vais partir en mode campagne, en solo. Je vais partir en mode campagne, en mode classique pour respecter le jeu, hein, le jeu tel qu'il est en jeu de plateau. Le nom de la campagne, je vais l'appeler en majuscule quand même. En majuscule. Je vais l'appeler WAG. Avec plein de G parce que j'ai décidé, bon, normal, au niveau de difficulté, je vais quand même pas, voilà. Je vais jouer en tour par tour, comme sur le jeu de plateau. Et puis, bah voilà. Alors, WAG, pourquoi? Bah, parce que je vais prendre une équipe orc, une équipe fun. Alors, il existe maintenant dans l'édition de légendaire un tas de races. Hein. Il y a les humains, les nains, les skaven, qui sont comme des rats géants. Les orques, les hommes lézards, les gobelins, les elfes sylvains, le chaos, les elfes noirs, les morts vivants, les afflings, les nordiques, les amazones, les elfes, les hauts elfes, les kemris, les nécromantiques, les nurgles, les ogres et les vampires. Alors, toutes les races ont leurs particularités. Moi, je vais jouer avec les orques parce que c'est fun, les orques, c'est un peu. C'est des tarés en fait, ils sont un peu malades. Alors, je vais un peu custom le logo, vite fait. Ouah, pff. Je vais le faire à la. Bon, allez, je vais le faire comme ça. Puis le rouge, ça leur va bien finalement. Le rouge, on verra un peu moins le sang. Le crit gear, on va le laisser. Le nom de l'équipe. Zut. Alors, le nom de l'équipe, je vais mettre la Green Wave. La vague verte. Et on commence la campagne. Alors la campagne, voilà la carte de campagne, je vais commencer par la compétition, la toute première compétition qui est la coupe propre, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça, la coupe propre, c'est parti. Alors là il va me dire bien sûr que j'ai pas de joueur, oui je n'ai aucun joueur, donc je vais en acheter. Alors pour démarrer mon équipe, je vais la démarrer de façon basique. Donc ici on peut voir les caractéristiques des joueurs hein, avec le nombre de cases dans lesquelles ils avancent, la force, l'agilité pour le lancer, la réception des ballons. Et ensuite il y a l'armure en fait. Le niveau, bon pas point d'expérience, normal ils sont tout nouveaux. Donc je vais commencer par acheter des blitzers parce que moi j'aime bien les blitzers orcs. Donc je vais en acheter 4. Je vais acheter 2 orques noirs parce qu'il faut que ce soit violent.
Et je vais combler avec un lanceur et des 3 quarts. Normalement, je devrais avoir assez. Il me reste 200 000. J'ai 12 joueurs. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'achète des relances. Alors, au début du jeu, elles sont à 60 000 pièces d'or. Et après, à partir du moment où j'aurai créé mon équipe, elles vont passer à 120 000. Voilà. Donc, on a un petit coup de pouce au début. Il faut savoir qu'il faut avoir un minimum de 12 joueurs au début. Puisqu'il y a 11 joueurs sur le terrain plus, les remplaçants. Il y a beaucoup de décès et de blessures dans le jeu. Je vais ajouter un assistant parce que ça aide. Je vous expliquerai pourquoi. Et je vais ajouter un facteur de popularité qui permet de gagner plus d'argent au niveau du tirage des gains d'après-match. Voilà. Alors, donc, maintenant, on va s'attacher à autre chose, c'est le calendrier. Donc, la coupe dans laquelle je me suis engagé va se dérouler sur 3 journées dans un premier temps. Donc, là, je vais jouer contre une équipe de nains. Apparemment, oui, il n'y a que 4 équipes, oui. Il n'y a que 4 équipes dans cette coupe. Donc, il y a moi, il y a des nains, il y a des vampires et des kemris. Donc là, à chaque journée, je vais rencontrer une de ces 3 autres équipes. Donc on va entamer tout de suite les festivités avec le match contre les nains. C'est parti. Voilà, le match démarre. Donc là, on m'indique que mon porte-monnaie contient 300 000 pièces d'or à utiliser pour les coups vicieux, tout simplement parce que l'équipe de nains a une valeur d'équipe de 1300, donc qui est déjà expérimentée. Et moi, comme c'est une équipe toute neuve qui n'a que 1000 points, pour équilibrer, en fait, on m'offre 300 000 pièces d'or. Afin que je puisse équilibrer un peu le match. Alors je vais voir si je sais plus s'il y a des champions qui valent ce prix là. Bon, il y a Bolgroth, l'écrabouilleur, bon c'est un troll, ça sert à rien, c'est de la merde. Morgenthorg, ben il est trop cher. Et il y a Varag Majgul, donc je vais l'engager pour un match. 290 000 pièces d'or, je peux. Donc je confirme et j'aurai un champion donc pour ce match. C'est parti. Là, je vais faire une légère coupure parce que de toute façon, il y a un temps de chargement qui va être inutile sur la vidéo. Voilà, c'est parti, on rentre dans le stade. Donc, pour ma défense, je commencerai par dire que ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas joué. Bonsoir. Bonsoir, Jim. Le tour. Bonsoir, Bob. C'est parti. Oui. Donc, nous voilà réunis ce soir pour un match de Blood Bowl qui va faire vibrer les tribunes. Ah oui, en effet, les hooligans s'impatientent et commencent à arracher des bouts de tribunes. Alors, pour moi... marge de manœuvre pour cette équipe qui devra compter sur une succession d'exploits. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut tirer son épingle du jeu. Ah voilà, j'arrivais pas à avancer. Je sais pas. Merde. Je sais pas... Alors, voilà. Donc là, je vais mettre en place mon équipe. Donc moi ma technique c'est de mettre Varag Majgul en avant. Apparemment ils ont pas de... Putain mais comment ça se fait que... Ah voilà. Ils ont pas de roule mort. Donc ils ont pas de truc violent à l'avant. Je vais mettre mes orques noirs en position avant. Alors ma technique c'est comme je vais donner le coup d'envoi, mon lanceur je vais le mettre un peu en arrière pour le protéger. Hop. Des 3 quarts en défense. Ça c'est un 3 quarts, ça c'est un blitzer par contre. Des fois j'ai un peu de mal à les reconnaître au début. Et comme je disais, ça fait un moment que j'ai pas joué. Donc alors je vais mettre mes blitzers ici et mon 3 quarts au centre. Voilà, c'est parti. Avec un joueur de cette qualité, on rentre dans le vif du sujet, on attaque. Je lance le coup d'envoi. Oh, le ballon, alors ça se déroule au tour par tour, c'est-à-dire que chacun son tour déplace ses joueurs et effectue les actions. C'est un donc véritable là c'est l'ordi qui va commencer bon à bouger les nains. Dire. Je vais mettre la caméra active. Les nains ont une excellente approche du jeu. Comme ils disent toujours, va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Et donc là il a loupé la réception de la récupération de la balle. Donc il fait un turnover, c'est-à-dire que son tour s'arrête. Dès qu'on manque une action, le tour s'arrête. Et c'est à l'autre de jouer. Donc moi je vais jouer au massacre. J'ai déjà commencé par... Jeune main, je effectuer des blocages sur les nains qui sont devant mes joueurs sont en première ligne. Oulala, histoire de faire un peu de ménage. Ouais, sinon il l'aurait pris en plein visage. Je vais apposer des zones de tacle, c'est-à-dire que mes joueurs étant sur des cases adjacentes aux siens,
Il va falloir qu'il effectue des jets de dés d'esquive s'il veut essayer de se sortir de ces zones. Voilà. Donc c'est toujours un peu encombrant pour l'adversaire d'avoir des zones de tacle. Je garde en position mes trois joueurs à l'arrière. Et je vais effectuer une action qui s'appelle un blitz. C'est-à-dire que mon joueur va foncer sur un autre. Donc il a le droit. Normalement, les joueurs, pour effectuer des plaquages, doivent être sur des cases adjacentes. Dans le cadre d'un blitz, on a le droit d'effectuer une attaque à distance. Donc ici, mon joueur va foncer sur ce nain. Et ici, je vais choisir le dé. Hop. Qui me permet de le repousser. Et je vais le suivre aussi. On a le droit de choisir de le suivre ou pas. Là, mon tour se termine là parce que j'ai plus d'action intéressante à faire. Donc là, on va suivre un peu le jeu des nains. Je pense qu'il va essayer de récupérer le ballon. Le bloqueur de tous les temps est probablement Pendy. Voilà, bon, cette fois-ci, il a réussi à le ramasser. Alors ici, le numéro ici, qui est indiqué ici, correspond à des relances. C'est-à-dire que on les achète, les trois relances que j'ai achetées au début de la création de mon équipe me permettent de relancer les dés. Donc on a le droit à une relance par tour, de relancer les dés dans le cas où l'action aurait échoué. Ce qui permet d'avoir une chance supplémentaire de réussir l'action. Pensez-vous qu'il va s'en relever après le coup qu'il a pris, Jim ? Oui, il n'est pas du genre à rester au sol. Bon, ici, il tabasse un peu, c'est normal. Et c'est à moi. Donc ici, je vais commencer par relever mes joueurs qui ont été un peu molestés. Je vais essayer de finir le boulot ici sur les nains qui sont encore debout. Alors, plus on a de joueurs... dans les cases adjacentes à celui qu'on veut taper, plus on a de dés, là on inscrit 2 dés, donc plus on a de dés à lancer, plus forcément on a de chance de causer des dégâts à l'adversaire. Donc là je choisis de ne pas le poursuivre pour la bonne et simple raison que ça m'aiderait pas en fait. Je vais mettre une zone de tacle ici, une zone de tacle là, et je vais venir essayer de faire un blitz ici avec mon champion. J'essaie d'amortir quand même. Ah, alors donc ici, j'ai 2 dés de blocage. Mais blocage, je vois que ça m'intéresse pas parce qu'il a une compétence qui fait que ça ne lui fait rien en fait. Et moi, pareil. Donc je vais me permettre d'utiliser une de mes relances. Et grâce à ce dé là, défenseur au sol, donc lui, aplati, ça me permet de le démolir et de prendre une place avec une zone de tac sur le porteur du ballon. Et ici, je vais venir me poser derrière pour poser des zones de tac à ces joueurs là, les empêcher d'amener du soutien peut-être au porteur du ballon. Donc là, on entame déjà le troisième tour pour les nains. Ça va assez vite. Ah, ils essayent de démolir le champion, forcément. Réfléchis. Il cherche une action. Ah, il a tenté, ça n'a pas marché. Alors mes petites sœurs ont la compétence blocage comme les joueurs nains, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de résistance au coup et de rester debout quand on les agresse. Une raclée en bonne et due forme. Le problème c'est mes trois quarts n'ont pas cette compétence et ils sont plus fragiles. La preuve, il y en a un qui est tombé par terre. Donc là les nains essayent une technique de défense, hein, c'est typique des nains. C'est-à-dire qu'ils essayent de se barrer le plus loin possible avec la balle. Parce que comme ils courent pas vite et qu'ils sont plutôt petits et au niveau des lancers de balles, ils sont pas terribles. Alors, ils essayent de former un rouleau compresseur et exploser mes joueurs pour avancer. Donc là, ils reculent avec le ballon pour éviter que je le prenne. La guilde des arbitres a décidé d'engager un garde du corps pour chaque match. De l'empêcher d'avoir du soutien toujours en projetant mes joueurs sur des zones de tac. Voilà. Là par contre j'ai mon champion qui est embêté parce que quand les dés sont rouges, ça veut dire que l'adversaire a plus de force que l'assaillant, en fait, que moi. Et en cas de résultat, c'est lui qui choisit en fait. Si j'attaque là, c'est lui qui va choisir le résultat. Donc certainement sa faveur, ça m'intéresse pas du tout. Donc ce que je vais faire, je vais tenter un blitz sur son joueur. Ouais, je peux pas parce qu'il est pas assez fort mon joueur. Je voulais tenter un blitz, mais. J'ai pas trop de solutions là, à vrai dire.
Allez, tant pis, je tape ici, on verra bien. Ah oh, putain, alors ça veut dire que si je choisis ce dé là, sans faire de relance, c'est moi qui suis mis au sol. Et automatiquement, ça déclenche un turnover et je perds mon tour. Donc je vais faire une relance, je le repousse. Je vais pas le suivre. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai utilisé ma relance, donc ça m'embête. Mais je vais tenter une action de folie, je pense. Là, j'ai une zone de tac, c'est-à-dire que je vais devoir sauter pour éviter la zone de tac et essayer de venir au contact ici, presque au contact du nain qui est porteur du ballon. Là, j'ai réussi l'esquive. Et je vais m'en tenir là, je vais pas pousser plus loin. Voilà. C'est à son tour, on entame le quatrième tour dans la première mi-temps. Il y a deux mi-temps de les orques ont toujours favorisé un jeu en puissance. Il y a deux mi-temps dans le match, donc qu'ils ont compris de 16 tours chacune lors des matchs. Donc là on va voir un petit peu s'il va essayer d'avancer quand même. S'il n'arrive pas à avancer ou s'il fait un fail, je vais peut-être avoir une occasion de récupérer le ballon pas loin de sa zone d'en but, hein, parce que c'est en gros, c'est comme du foot américain. Une fenêtre de ce niveau est allée comme une pomme de terre. Space, on va dire. Mais si j'arrive à récupérer le ballon, il y a une possibilité que j'aille marquer un premier touchdown et prendre un avantage tout de suite dans cette partie. Voilà, donc là, mon orque noir ayant empêché le nain de sortir de la zone de tacle, il subit un turnover. Donc ça me dégage un peu. Je vais essayer d'apporter ici hop du soutien en tacle. Je vais essayer de venir. Alors ici je peux pas. Je vais essayer de venir là pour donner les coups de main à mes orques. Hop. Alors là j'ai très envie de le blitzer et je crois que c'est ce que je vais faire. Tant pis, j'ai qu'un dé, je blitz, on verra bien. Bon, je le repousse seulement. Je vais le repousser dans sa zone d'embut et je vais le suivre. Je suis presque dans l'embut des nains. Ce que je voudrais, c'est par contre... Alors, je vais essayer ici de me débarrasser d'autres nains. Quelle violence! Oui, c'est vraiment du beau spectacle, Bob. Celui-là aussi, je peux essayer de faire quelque chose. L'équipe des yeux crevés cherche toujours un coach, je crois. Ouais, c'est pour pas le moment, top, les prétendants ont tous été jugés trop fragiles par les joueurs. C'est mieux que rien. Ça, trop fragile. Ah, je sais pas trop, mais je préfère pas. Et je vais quand même mettre une zone de tacle sur lui au cas où. Voilà. Et je vais finir mon tour. Donc là, les nains sont quand même dans une assez mauvaise posture. Bon, il a réussi à se dégager, mais j'étais quand même proche de son embut. J'espère que je vais réussir à récupérer le ballon assez rapidement. Alors ça c'est excellent. J'ai bien fait de le mettre là parce que en essayant de se barrer de la zone de tacle, le nain s'est fait étaler. En plus, il a été sorti, c'est-à-dire que sa blessure nécessitait une sortie carrément. Il était trop blessé pour continuer le match. Alors Varag, j'ai utilisé mon champion un peu. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va, il est utile. Il a mis KO son adversaire. Ça fait très mal. Je vais essayer de continuer à laminer les nains. J'aime bien laminer les nains. Putain. Alors là, j'ai envie de tenter un. Putain, mais c'est chiant parce que. J'ai envie de dégager celui-là. Oh voilà, enfin un qui réfléchit avec ses biceps. Bah, il avait dû y réfléchir longtemps. Est-ce car son adversaire a très vite compris. Non, vous avez entendu que les Raiders ont perdu leur dernier match. Ah, je vais bloquer avec oui, deux enfin joueurs son nain qui est là parce qu'il est assez costaud. Et... A deux, ce sera plus pratique. Oui, nous sommes des lâches. Les orques sont des lâches. Ils se mettent à plusieurs. Oui. Voilà, et moi j'essaye de continuer à laminer au maximum les joueurs nains. Et je vais tenter le blitz sur ce joueur-là. Allez, il me reste une relance. Et ben, encore heureux. Putain, j'ai pas de chance quand même. Parce que je fais que des repoussés là. Hop.
Allez, pour la peine, non, j'ai qu'un dé, je vais pas prendre le risque. Je mets fin à mon tour et je laisse jouer les nains pour leur sixième tour dans cette partie. Alors, ils ont plus de relance, moi non plus. C'est équivalent, hein, je dirais. Et sachant qu'ils ont un joueur en moins pour l'instant, puisqu'il a été sorti, il a été victime d'une commotion suite à une esquive ratée. Oh punaise. Un tu le tiens, deux tu l'auras. Ah bah là pour le coup c'est moi qui suis sonné. Ils l'ont dégagé un orc. Ah, ils essayent vraiment de faire le ménage dans ce tour là. Parce qu'ils savent qu'il reste très peu de temps. Et un nain en deux tours il arrivera pas à passer de l'autre côté. Ils vont devoir faire des passes et ils vont devoir prendre des risques s'ils veulent avoir une chance de marquer un touchdown. La pensée du jour nous vient d'Imis Nivel, coach et propriétaire de l'équipe Goblin des Lowdown Rats. Alors son tueur de troll là, il m'embête parce que le Blood Bowl, si j'arrive pas à l'éliminer, peut être très dangereux. Juste des survivants. C'est aussi profond que le classement de son équipe. Allez, je relève mon joueur. Je relève l'autre. Comment faire pour récupérer le ballon assez rapidement? Bon, j'ai bien une idée. Faudrait que je me débarrasse de lui d'abord. Voilà, je vais me débarrasser de lui. Il l'a envoyé discuter avec les taupes. Je vais mettre ce joueur-là ici en zone de tacle. Et est-ce que je peux envoyer Varag? Ah putain, il y a une zone de tacle encore. Putain, ça, j'ai fait le coup. Bon, pour le fun. Quoique, voilà, on s'en revient au même. Allez, pour le fun, je le tente. Je m'en fous. Oh putain, il se fait étaler. À quoi ça sert de faire tant d'études pour devenir la star du Blood Bowl et se retrouver comme ça par terre? C'est vrai que le problème, c'est que les orques sont pas agiles du tout. Ah, en voilà un qui aura une bonne raison d'aller voir l'apothicaire. Bon, je me console dans le sens où je me dis que les nains n'arriveront pas à marquer. Il leur reste trop peu de temps pour marquer un touchdown dans cette mi-temps. Mais voilà, bon, plus, ils sont nuls aussi au niveau des passes. Hallucinant. Ça aide. Que faire? Que faire? Il me reste pas grand chose à faire en fait. Hein. Je dirais. Allez. Les tueurs de trolls. Vous savez que la première apparition d'un des individus eut en 1465 dans un match opposant les Giants au Lowdown. Ah, mais j'ai pas de bol. Vous savez, moi, Elena. Un blitzer du nom de Stout Point en Fer avait la tâche de protéger le fils du roi. Mais pendant un match, un troll a tué le fils du roi. Stout sombra dans la frénésie et il décapita le troll. Puis alors, moi, je suis sonné. Lui, il est. Voilà. La fin de cette mi-temps, c'est vraiment l'horreur pour moi, quoi. Je perds mon joueur. Bon, j'ai essayé, hein. C'était un essai, mais je l'ai pas vu, le nain qui est arrivé jusque là tout à l'heure, je faisais pas gaffe. Ouh là là, ça fait mal. Fallait pas l'énerver. Il y a un nain plus. Qui est arrivé juste dans mon dos là, mais c'est pas normal ça. J'ai pas fait attention, quel con. Ah ça va, il s'est fait démonter aussi. Bon. Alors, je vais relever le blessé. Enfin le blessé. Qui est par terre. Est-ce que je peux le faire? Allez, je le fais, je le tente. Un gros blitz avec mon champion. Il voit 30 ses chandelles. Oh mais il est con, hein. Il s'est tombé, il s'est cassé la gueule juste devant. Bon bah voilà, c'est la mi-temps. Hein. C'est la mi-temps. Je vais passer très rapidement à la seconde. Pendant la deuxième période. Oh, les joueurs qui ont été sonnés pendant la première partie peuvent revenir. Bon là, il y a mon orque noir qui est encore dans les vapes. Je vais devoir réorganiser mon équipe. Par contre, là, je vais recevoir. Donc, pour recevoir, bah là, je vais mettre un blitzer. Là, je vais mettre un autre blitzer. Mon orque noir au centre. Un 3 quarts. Je vais mettre les 3 quarts aux extrémités. Zut. Voilà. Et mon receveur, il est bon. Voilà. Saviez-vous que je pense que je vais pouvoir aller récupérer rapidement la balle. Oui, on plante un bob de bière dans un entrepôt et on lâche. Alors là, l'avantage c'est que le premier à trouver la chopine est promu. Oh bah là, j'ai vu voilà. J'ai mon orc qui a récupéré le ballon. L'avantage c'est que c'est moi qui vais avancer. Et que les orques sont quand même un peu plus rapides que les nains. Là, je vais me permettre quand même
de déployer un peu plus mes joueurs qui sont normalement en défense. Je vais les déployer un peu plus vers l'avant parce qu'il faut vraiment que j'avance vite. Je vais faire un espèce de rouleau compresseur vers l'avant ici. Est-ce que mon orque noir... Bon, mon orque noir est pas assez rapide. Bon, il va blitzer ici. Ça risque de me libérer un joueur. Alors j'ai récupéré mes relances. Les relances sont valables pour une mi-temps complète. Donc là je vais essayer de faire un peu le ménage. Allez. Putain, mais mon champion il est nul. Je vais pas utiliser la relance, tant pis. Heureusement que je l'ai pas payé de mes deniers, mais qu'on me les a offerts, parce que franchement c'est triste. Et là je vais mettre des zones de tacle ici pour éviter que son tueur de troll vienne me gêner. Alors je vais me placer ici pour l'instant, et je vais mettre ce joueur en soutien. Voilà. Donc là il va falloir avancer petit à petit. J'ai 8 tours pour marquer un touchdown au minimum pour gagner ce premier match. Il fut un temps où les collèges de magie n'avaient pas encore de règles pour limiter l'intervention des sorciers. C'est vrai. Alors, qui peut oublier le célèbre accident de Quagmire en 2472? J'espère qu'il fail, quand il va la masse fail. De sort. Alors là, il m'a attaqué avec deux dés. On a été aveuglé à des centaines. Donc c'est de moi qui choisis le résultat. Bon, manque de bol. Bon, là, quel que soit le résultat, c'est contre moi. Donc. Ah, ça me rappelle quand j'ai fracassé Cliff. Il a réussi à me sonner mon joueur. Ah oui. Tu lui avais pété les rotules. La star des stars est au sol. Oh. C'est vraiment trop triste. Esquive loupée, mon orque noir a réussi à en virer un. Sans cette protection, il aurait pu avoir ça très c'est mal. Beau. Mais il a eu très mal. Je l'entends hurler d'ici. Je vais relever mon champion qui va me servir de mur en fait pour l'instant, parce que a priori il est doué pour ça. Je vais essayer de virer ce nain là qui m'emmerde. Ah oh, putain, mais j'ai pas de chance. Ah, mais j'ai pas de chance oh avec CD. Quel punch! Notre ami doit avoir du central. Alors, c'est le principe de Blood Bowl. Hein, toutes les actions sont gérées avec des dés. Donc, après, il y a une part de chance quand même aussi. Il y a la tactique, mais il y a aussi une part de chance. Bon, la tactique avec les orques, il n'y en a pas vraiment. Hein. On développe pas vraiment de tactique avec les orques, à part essayer de défoncer les joueurs adverses. On dit il a partagé le ah, pain. Ah putain, ça allez, m'embête hop, ça parce que tourné, là je vais être vraiment dans la merde pour le coup. Je risque de perdre le premier match, le gros fail. Première vidéo, première défaite, ça serait vraiment terrible. Bon, je vais tout faire pour ne pas perdre ce match, mais à vrai dire, c'est mal engagé, surtout s'il récupère la balle ici. Le Blood Bowl nous propose parfois des joueurs vraiment inadaptés. Ah ouais, non, mais là ça va se compliquer. Là. Des joueurs de Blood Bowl. Ça va se compliquer ouais, parce que la balle elle est arrivée à un endroit où. Bon, déjà je vais relever les joueurs qui sont au sol. J'aimerais bien me débarrasser de lui, mais c'est risqué. Je vais essayer de venir embêter le monde ici. Et je peux pas récupérer la balle, ça m'embête. Ah si, je peux mais c'est compliqué quoi en fait. Je vais tenter déjà celui-là qui a où j'ai 2 dés en fait, voilà. Voilà. 2 dés, j'ai plus de chances de le faire mal. C'est assez violent comme sport finalement. Je peux rien faire. Hein. Allez, je le tente, tant pis. De toute façon. Bon là c'est à mon avantage. Et je vais le poursuivre. Fin de corps suivi d'un et là du coup j'ai 2 dés pour fait. Plaquer si celui-là. J'ai en un tout bon cas, ça doit faire mal. Fais dodo mon petit lapin. Bon, oh, bébé, alors là je vais tenter encore un coup extrême. C'est-à-dire que lui, je vais essayer de m'en débarrasser avec un seul dé, pas de chance. Bon, on dirait voilà, que quoi. Ces deux-là avaient un contentieux, Bob. Tueur de troll m'a éliminé mon la rumeur veut que l'un ait tenté d'arracher le bras de l'autre. Et on est déjà, mine de rien, au 11e tour. Il en reste plus que 5 pour ah, marquer un touchdown. Les sales frappes, vous vous en rappelez pour lui comme c'était pour moi. Qui rassemblaient il que faut des absolument qu'il fasse méchants. Une boulette parce que les spectateurs là, les la balle, elle est quand même c'est dangereusement positionnée dans mon côté de terrain. Même si les nains sont très lents,
Il lui a fait manger ses dents. Ah là ça c'est bon. C'est pas bien moi, ce fail peut être intéressant si j'arrive à l'exploiter. Toujours est-il qu'il faut réussir à pouvoir l'exploiter de la bonne façon. Allez, tant pis, on verra bien. De toute façon, j'ai encore une relance. Voilà, j'ai réussi à me débarrasser de ce joueur. N'essayez pas de faire ça à la maison, hein. Je vais me mettre ici à côté du ballon. Ce sont des joueurs professionnels. Ouais, enfin, un seul des deux, a priori. Je vais me mettre ici avec mon orque noir. Bon, Varag, il va quand même pas fail à chaque fois, quand même. Putain, hey, il est nul, en fait. Hein. Il fait que repousser un pauvre nain, quoi. Allez, 2D. Je continue à faire mon rouleau compresseur. Il a sorti la boîte à gifles. Mon lanceur, et il en distribue la meilleure à tour agilité, de bras. Au cas où je puisse lui envoyer la balle tout à l'heure. Je vais essayer de récupérer. Alors là, c'est encore un autre problème. Putain. Ah, récupération. Avec les orques pour récupérer la balle, c'est la misère. Et puis je vais essayer de me dégager. Ben allez, en me mettant le plus loin possible. Est-ce que je peux faire une passe mort 5 plus, mais c'est juste impossible. Et en plus, quand on voit ce cercle bleu là, ça indique qu'il peut tenter de faire une interception. Normal, c'est un sport très coûteux. Le dopage je vais la juste. Je peux pas me mettre là. Je peux pas me mettre là. Putain. Bon, ouais, allez, je fais rien d'autre. J'attends qu'il fasse une connerie. J'espère qu'il va faire une boulette et puis que je vais pouvoir avancer. Tranquillos. Allez. Une esquive loupée ou une attaque loupée. Et c'est une The Pocket après. Aïe aïe aïe. Il va blitzer le porteur du ballon. J'ai du bol. Je vais donner un blitzer qui a blocage. Donc forcément ça m'aide. Quel il commence un petit peu à m'encercler. Ouais. Enfin, quelle boîte, surtout. Allez, je relève mon joueur. Maintenant, il s'agit de faire les bons choix. Les bons choix. Bon, bah déjà, lui, je vais aller le bloquer au cas où. On ne sait jamais. Je lui mets une zone de tacle. Là, je vais apporter du soutien en venant derrière ici. Mon lanceur, je vais continuer à l'avancer au cas où j'ai une passe à faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire ici. Je peux rien faire ici. Enfin, un dé, c'est limite. J'ai plus de relance. Donc, allez, je vais tenter ça. Ah, putain, mais... Hey, franchement, il fait rien. Il fait rien. La première qualité requise d'un joueur orc est de taper fort, et si possible sans trop réfléchir. Cette dernière compétence étant généralement considérée comme chose, un défaut. Hein. Faut que je fasse des tentatives. Ah, je ne sais pas s'il a aimé si cette hypercute. À défaut de l'aimer, il l'a bien mangé. Putain, je peux pas passer par là, mais je peux rien faire. Est-ce que je peux blitzer là? Mais j'ai un dé de plus, quoi. C'est lourd, hein. C'est lourd. Et j'ai peur de perdre le ballon trop vite, quoi. Ouais, tant pis, faut que j'essaye de le conserver encore un tour au moins. Est-ce que je peux faire une passe? Combien ça va me faire ça? Allez, hop, je l'ai passé et à mon champion. Comment dirais-je, on verra le bien. Ballon change de main. Ça va peut-être aider. Et puis là, je vais blitzer pour essayer de le dégager, lui. Voilà. Moi, pour le coup, c'est le champion qui a la balle. Maintenant, allez, j'attends le tour prochain pour essayer d'avancer. C'est bon pour toi. J'espère que la résistance du champion va me permettre d'avancer jusqu'à l'embut adverse. Oh putain, il m'a tué. Il m'a tué mon joueur. Il m'a tué mon blitzer, cet enfoiré. Il est mort, quoi. Le tueur de troll a tué. Ouais, bon, ça arrache souvent. Oui, il n'a pas supporté la bousculade. Putain, mais là, ils sont en train de me laminer. Oh, un vilain chaos. Ça m'étonnerait qu'il finisse le match. Ouais, pour il me a sortir gagné son de week-end. Ça. Oh putain, mais il va falloir juste un miracle. Il est en train de défoncer tous mes joueurs. Je sais pas. Alors, fin de match imminente, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire pour contrecarrer cette attaque. Déjà, je vais continuer à mettre mes zones de tacle. Je vais essayer d'apporter un maximum de soutien à Varag ici. Il a littéralement dépouillé mon confrère de Elf Magazine. En même temps, mettre un elf dans la même pièce de troll, faut pas s'attirer plus que ça. C'est une réaction naturelle. C'est l'espèce de réflexion, c'est tout.
certainement rien de personnel. Ah bon, vous croyez? Tant pis, je vais tenter, hein. Je vais essayer de me barrer de là. Hein. C'est bon, pour l'instant la chance est de mon côté. Et paf! Un bourre-pif! Il lui a retroussé les narines! Je vais me mettre là, on verra bien. Là j'ai qu'un dé, je vais pas le risquer. Allez, bah, je laisse tomber, j'arrête là parce que si je continue à avancer, je risque de paumer le ballon ou quoi que ce soit. Là ça va être très très chaud pour marquer un touchdown. Pour l'instant, mon champion tient la route, il essaie de le bloquer pour récupérer le ballon. Je propose qu'on revoie ça au ralenti. Ça va être un truc de folie pour passer. Bon direct du gauche. Il avait son adversaire dans le nez. C'est très costaud les nains, très très costaud au niveau des... On dirait que ces deux-là avaient un contentieux, Bob. Oui Jim, la rumeur veut que l'un j'ai perdu un joueur déjà. Alors là, ça va être chaud de chez chaud pour passer, mais je peux même pas me barrer, quoi. Je peux même pas me dire de me sauver, quoi. Donc là, éventuellement, si... Éventuellement, si je fais un blitz, déjà, je peux pas. La trajectoire du ballon, je vous certifie que les nains seraient champions du monde. Je vais essayer de blitzer, là. Mais putain, mais là, c'est vraiment le désespoir total. Parce que je peux plus rien faire. J'ai plus assez de joueurs, en plus, ils m'ont trop laminé. Je me rassure en me disant qu'il marquera pas, ça c'est clair. Mais par contre, moi je suis pas prêt de marquer non plus. Putain, mais je peux même pas aller. Allez, je m'en fous. Joli, joli passe. Oh le fou, j'ai réussi à faire la passe, mais l'autre il a pas récupéré. En tout cas, la balle est mieux placée. Enfin, mieux placée, entre guillemets, parce qu'il y a le tueur de troll qui est là. Et en tout cas, ils marqueront pas parce qu'il reste plus qu'un tour donc. Un bon coup de passe! Ah, punaise, enfoiré! Ils marqueront pas parce que il reste pas assez de temps pour marquer. Mais moi, je pense pas que je vais marquer non plus parce que ça, c'est trop limite quoi. C'est trop limite. Moi, c'est mon dernier tour en plus en fait. Oui, c'est mon dernier tour. Donc, il faudrait que je blitz ici. Donc, attention. Il va falloir faire ça, mais alors déjà je peux rien faire parce que ben, putain, je peux juste rien faire. Putain, et lui il m'emmerde, je peux pas le dégager parce que voilà quoi. Et il y a pas moyen. Les nains ont une excellente approche du jeu. Comme ils disent toujours, va chercher la peur pour la dominer, la bon, fatigue pour en triompher, si la difficulté ça pour la vaincre. Quoi, et la balle, si t'as pas mieux à faire. Attends, mais qui a la balle là? C'est lui, hein. Je suis pas fou quand même. Allez, tant pis, je le tente. Il va même pas voulu regarder. Il a réussi à sortir de la zone de tacle. Oh putain! La tête ah, de mort. Bon bah ça fera un premier match d'échauffement, on va dire, à 0-0 contre les nains. Oui, ah puis je finis en lui mettant une baigne. Bon donc bah turnover et puis le match se termine sur un match nul. Voilà. Donc bah désolé pour la qualité de ce premier match qui est franchement pas terrible. Alors j'ai pas eu de bol non plus avec ah mes tirages. Là, hein, ce match m'a laissé sur ma faim. Je ah, gagne si alors 5 sur 20 du match avec... terrible. Je gagne 30 000 pièces d'or avec, avec match, mes sur ce match. Pour lui, ouais, il en a gagné 40. Ils ont réussi à envahir le camp adverse. Et voilà. Peu de sport autorise donc, de dopage, ben, à bientôt dans la pour la prochaine vidéo. Sans pour doute, le match suivant. Trop honnête, ça tuera ce sport. Ah là là là. Je pense que l'arbitre s'est fait tuer en début de match. C'est vrai qu'on l'a pas vu de toute la partie. Pas de carton, rien.